Salut les petits chats, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour échapper à ma grand-mère. Oui, car dans Roblox, j'ai une grand-mère et il va falloir fuir, il va falloir arriver à s'échapper. J'ai déjà réussi à m'échapper d'un hôpital. J'espère que cette fois, j'arriverai à lui échapper à elle parce que je peux vous jurer qu'elle fait peur. Je suis toujours avec ma petite boute queue de renard. Ça, c'est grand-mère, voilà. Hein, grand-mère, je peux carrément lui monter sur la tête. Au secours, c'est quoi cette tête? Grand-mère, elle a un chat et elle a un énorme dentier là, donc vaut mieux pas qu'elle ouvre la bouche. Parce qu'elle a plus de dents. Et nous, il va falloir qu'on lui échappe. Et ça va pas être facile de sortir de sa maison, à mon avis. Ok, alors jusque là, ça va. Il y a des épingles. On va éviter de s'en prendre dans les dents. C'est quoi ça? Oh, oula, grand-mère. Alors grand-mère, je marche sur ton dentier. D'ailleurs, ça me fait vraiment rire parce que ma mamie a déjà oublié son dentier chez moi et je lui avais rapporté. Ça me fait un peu penser à ça. Alors, grand-mère, elle fait des cookies. Oula, oula. C'est quoi ce cookie? Ah d'accord, le cookie il disparaît dans le chocolat comme ça sans te prévenir quoi. Ah ok, et j'ai pas de point de sauvegarde. Très bien, mais c'est super chez grand-mère. C'est un peu le parcours du combattant chez mamie là. À moins qu'il faut que je marche là-dessus. J'avais pas marché sur la petite tête de pantin au sol là. Tout s'explique. Pas grave, cette fois t'inquiète pas que je vais le faire. Et là, on va rentrer chez les cookies. Alors. Look are you from, mama? Oh my god, oh mon dieu, non, non, j'en étais sûre. Ah, j'ai pas été assez rapide. Est-ce qu'on a le droit de tricher, de passer sur le côté? Ok, là, faut être super rapide. Ok, go, go, go. Wouh! Alors, mamie? Alors, mamie, tu veux m'empoisonner avec tes cookies? Tous dans l'armoire. Non, apparemment, c'est pas là. Tous dans le placard, chez le chat. Miaou! Non. Sur le fauteuil. Il y a une entrée secrète quelque part, et je compte bien la trouver. C'est forcément quelque part. C'est l'armoire? Non. Laissez-moi rentrer dans l'armoire! Je veux rentrer! Là, on repart chez les cookies, quoi. On a bien validé la zone. Il n'y a pas 46 trucs, de toute façon. Hein. Il y a une armoire. Il y a trois murs. Il y a un fauteuil. Derrière le fauteuil. Je suis cachée! Laisse-moi sortir! Non, je voulais pas! Au secours! Je suis piégée. Oh, je me suis piégée toute seule. Oh, la quiche! Ah, c'est bon. Et le monsieur, il arrive à passer ou pas? Il est bloqué. Coco, voilà. Le premier cookie. Après, maintenant. Go, allez, encore. Cours. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est sérieux? J'ai besoin de toi, là, pour résoudre l'énigme. Je suis sûre que c'est le portrait du chat. Ah. Ah, voilà. Tout ça pour ça. Alors là, je sais pas où je vais. Hein. Ok, c'est un cul-de-sac. Par là, il y a des petites traces rouges. Alors, ça veut peut-être dire que c'est par là, j'en sais rien. Je vais essayer de suivre les marqueurs rouges. Peut-être que grand-mère a été sympa et qu'elle m'a laissé des indices dans le labyrinthe. Ouh. Oui. Alors. Est-ce que ça te coupe la tête ou pas, ça? Là, il y a un marqueur. C'est super grand. Oh, un petit minou. Oh. D'accord, on est dans une autre pièce. Il y a une porte. Oula, grand-mère me surveille. Grand-mère fait du tricot. Il faut échapper au tricot de mamie. Courez, attention, pelote de laine, vite! Et c'est un échappatoire. Rapide et efficace. Oui, on reste pas bloqué dans les pelotes de laine. Quand on parle de pelote de laine... Ah. Ah, c'était pas une bonne idée de sauter sur la pelote. Ok, alors je vais essayer de passer par en bas. D'accord, c'est la pelote qui te tue en fait. La pelote meurtrière. Ta 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 ta. Je veux sortir. Je veux sortir. Aidez-moi. Grand-mère. Non mais j'hallucine. Mais... Ah, purée. Oula. Non mais ça c'est pas chez grand-mère ça. Hein. Moi j'ai une grand-mère qui a ça chez elle, je vais pas chez elle. Hein. C'est ultra flippant comme truc. On se croirait dans un film d'horreur. On se croirait dans Saw. Ma grand-mère veut me découper en rondelles et me servir pour le dîner au reste de la famille. Si t'es pas sage, t'iras dans la salle des scies. Alors ici, il y a quoi? Il y a de la lave. Où est-ce que je peux aller? Je pense qu'il faut que je marche sur le pic-pic. Oh là là. Il faut marcher sur le pic-pic. Bon, je fais direct un fauteuil. Hop, pic-pic 1, pic-pic 2. Non! Je voulais aller sur le petit chéchaminou. Prodige, t'es où, Prodige? Elle peut m'y. Je veux pas te suicider, là. Oh là 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 là. Ok, je relève mes manches parce que là, je sens qu'on est sur une impasse. C'est la mer noire? Ouh, c'était tendu, le petit cookie. Ouh! Eh, il y a de l'amélioration un peu, là. Il passe des choses. Bon, les taches de peinture, on évite. Là, c'est grand-mère quand elle a décidé de pas manger normalement et d'en mettre plein partout à côté. Grand-mère qui fait de la peinture, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires, là, ce qu'elle fait parce que j'ai pas compris cette pièce. Oh! C'est qui ça? Elle va nous manger? Mon dieu! Elle mange les gens qui sont pas sages, elle les transforme en saucisses et elle les fait cuire. C'est la grand-mère de l'enfer. Laissez-moi sortir! Je veux pas rester dans cette maison. Au secours!
Elle veut me mettre, elle veut m'écraser avec son rouleau à pâtisserie et me transformer en cookie. Je veux pas finir en cookie. Ah, je suis où là? Je me suis perdue. C'est par là, non? Ah oui, c'est par là. Ah. Ah, la cuillère est meurtrière. Ok, il faut le savoir. La cuillère meurtrière. Alors, je marche. Mais c'est une blague? C'est une blague. Comment je fais pour marcher si je peux pas aller sur le cookie et que je peux aller nulle part? On m'explique que je peux aller où? La sauce? Ah ok. Ah ok. D'accord, je peux marcher sur la sauce. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah. Il faut choisir sa planche. Trou trou. C'est pas la deuxième. Troisième? C'est pas la troisième non plus. Allez, je vote pour la première. Et c'était la dernière. Puis ça te découpe bien un morceau, hein. Ça plaisante pas. Ok, la dernière. Ok, celle-là. La deuxième. Et non! C'était trop beau si j'y arrivais là. Ok, je la refais. Donc, la dernière. La deuxième. Genre, c'était peut-être l'avant-dernière alors. Oh, l'échec. Échec et mat. Celle-là. Celle-là. Ouais. Et celle-là. Bon, là, c'est t'as de la chance ou tu l'as pas. Hein. Oh! Grand-mère tricote et grand-mère est devenue géante. Je sais pas ce qu'elle mange, c'est des chips. On esquive le tricot de la mort. On passe sur les boules. Alors tout à l'heure, c'est quand même les boules qui nous ont assassinés. Hein. Ça va, je maîtrise. Le petit fil qui va bien. Grand-mère, tu me fais une écharpe? Et alors là, les pic-pic, purée, je le sens pas ça. Ça, c'est le petit coin délicat. La Team Rocket s'en va vers d'autres yeux. Alors, le petit fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le petit fil. Il était une fois un petit fil qui donnait sur des gros pic-pic. Vous voyez les par étapes. Pic-pic, pic-pic, pic-pic. C'était tendu là. Comment je fais là? J'escalade. Ok. Grand-mère, grand-mère, je peux avoir un cookie? Ah. Ah, c'était pas des chips. C'était des cookies, je sais pas du tout où je vais là. Grand-mère! Elle m'a mangé! Mais je suis pas un cookie! On va vraiment avaler dans sa bouche là? Ok. Tout va bien. Oh! J'ai envie? J'ai envie. Oh, grand-mère! C'est papa! T'as mangé papa? Bah, ah, tu m'as mangé aussi. Tu viens de me digérer là. On a des magnifiques petits globules rouges qui flottent. Il est bien fait, hein, mais. C'est un petit peu glauque quand même, on va pas se mentir. Allez, on va sur la saucisse. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça passe sur les trois premiers, ça passe pas sur les autres? Peut-être choisir un côté. Ah, c'est le côté droit. Purée! On retient bien! Gauche, droite, gauche, droite! Alors là, j'étais droite, gauche. Ah non. Droite, droite, gauche. Ah, tout va bien. J'ai une mémoire de poisson rouge en plus pour jouer à ce truc. Droite, droite, gauche. Droite, droite, gauche, droite. Retenez bien hein, si vous voulez la faire, parce que ça c'est les petites astuces gratos où toi t'as galéré pendant 10 ans. Oula. On va se détendre. Ouh. Ouh. Non. J'ai pas le droit de mourir comme ça. J'ai pas le droit. On se la refait. Faut y aller par étapes. J'ai juste pas le droit de mourir comme ça quoi. Je suis où là? Je suis je sais pas comment elle est fichue grand-mère, mais elle est fichue bizarrement quand même hein. Que là, on sait pas trop si c'est des côtes, si c'est des os, on sait pas qu'est-ce qui relie à quoi. Ça, je suppose que c'est une sorte de colonne vertébrale, mais au milieu de nulle part. Et c'est quoi ces espèces de passages là? On dirait des tentacules de poulpe. Oula, j'ai peur là. Ouh. Wouhou. Wouhou. Ah, pourquoi je suis marron? Ah, c'est bon, je suis revenue. Désolée de vous le dire, mais grand-mère vient de faire caca, son pauvre petit être, son pauvre petit enfant, qui n'est que moi. En tout cas, c'était super sympa, j'avais une magnifique couleur Nutella. J'espère que cette petite escape vous a plu, en tout cas elle est fun, elle fait partie des nouvelles escapes qui viennent de sortir, donc n'hésitez pas à la tester. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse là, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Roblox. Ciao!